Et coucou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tag, voilà, parce que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Donc je me suis dit, écoutez, il n'y a pas de raison. Et puis il y a un tag qui a pas mal circulé il y a quelques temps, que j'ai vu en tout cas sur pas mal de chaînes, c'est le tag de A à Z. Et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc je me suis dit, écoutez, c'est le moment ou jamais, ça me permettra peut-être de faire un petit bilan. Et puis donc je vais découvrir ça avec vous, voilà. Alors j'ai la petite liste devant moi. Et écoutez, on va commencer tout de suite avec la lettre A. Alors la lettre A, c'est pour auteur, l'auteur que l'on a le plus lu. Alors ça, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo justement sur les auteurs que j'ai le plus lu dans ma vie. Donc pas de surprise, il s'agit de Stephen King, voilà. Donc pas besoin de s'attarder là-dessus, il est suffisamment connu. J'ai pas besoin de vous présenter le bonhomme, voilà. Alors pour le 2, il s'agit de B pour best, c'est-à-dire la meilleure suite de série. La meilleure suite de série, alors j'ai un petit peu de mal à penser aux séries que j'ai lues parce que je n'en ai pas non plus lu tant que ça. Et surtout, ça fait un moment en fait que je n'en ai pas lu tout court. Ou en tout cas, donc je me rappelle, en même temps, ma mémoire me fait un petit peu défaut au niveau des lectures ces derniers temps. Donc je dirais La forêt sombre de Liu Cixin, qui est la suite du Problème à trois corps, qui comme vous le savez est un livre que j'adore, un livre de SF chinoise qui commence pendant la révolution... la révolution industrielle, j'allais dire, non, c'est pas la même époque, c'est pas le même endroit, enfin bref, pendant la révolution chinoise, tout simplement, et en fait, dont je ne peux pas vous dire beaucoup sans dévoiler l'histoire, mais de toute façon, je n'ai parlé à plusieurs reprises, c'est un livre de science-fiction qui touche à beaucoup de domaines, qu'il s'agit des domaines spatiaux, mathématiques, et même des jeux vidéo pour nous permettre de comprendre certaines théories de façon un petit peu plus visuelle. C'est un livre que j'adore absolument. Et autant j'ai adoré le premier tome, mais le deuxième tome, je trouve, avait un plus. Peut-être parce qu'une fois qu'on comprend l'histoire, qu'on connaît l'histoire et qu'on sait vers où on va à peu près, en fait, on peut mieux comprendre les concepts que l'auteur essaie de nous faire comprendre. Et dans ces concepts, il y a entre autres le concept de la forêt sombre, que je ne peux pas vous expliquer parce que à ce moment-là, ça dévoilerait quand même trop de l'histoire, y compris celle du premier tome. Mais c'est une théorie, alors je ne sais pas si elle existait avant ce livre, j'imagine peut-être, mais moi personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. Et j'ai trouvé que ça donnait une toute autre vision d'une thématique en fait qui m'intéresse beaucoup, que je connaissais déjà, mais je ne connaissais pas en fait ce point de vue-là. Voilà. Et effectivement, ça permet d'ouvrir tellement de portes et tellement de possibilités et en même temps de questionnements sur notre planète et ce qu'on fait dessus. Voilà. Comment essayer d'expliquer les choses sans trop en dévoiler, surtout quand j'en ai déjà trop parlé et que je veux pas me répéter. Voilà. Pour la lettre C, il s'agit de courant, c'est-à-dire la lecture en cours. Alors, lecture en cours, j'ai commencé Cachemire Rouge de Christiana Moreau, qui est un livre qui, je sais en tout cas qu'il parle de textile. À quel point, je ne sais pas, est-ce que ça se concentre seulement sur les textiles ou également sur d'autres choses, ou peut-être le circuit entre les pays, comment ça fonctionne, etc. Je ne sais pas bien. J'avais lu le résumé à l'époque quand je l'avais pris, qui m'avait beaucoup intéressée. Et en tout cas, au début de l'histoire, on se retrouve en Mongolie, au fin fond de la campagne mongole, dans les steppes, avec une famille qui vit en tant que nomade, hein, comme beaucoup de Mongols, mais qui se retrouve face aux problèmes climatologiques qui, du coup, malheureusement, fait que le travail avec les animaux, le travail à l'extérieur devient extrêmement rude. Et la génération suivante... Excusez-moi, c'est toujours pas terrible. La génération suivante, donc les jeunes, pour la plupart, ne veulent plus, en fait, vivre dans ces conditions-là et veulent vendre tout ce qu'ils ont pour aller en ville trouver des boulots soi-disant plus faciles et en tout cas pour avoir une vie plus simple, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. Il y a la fille de la famille qui est en train d'essayer de créer de nouvelles couleurs faites à la main, faites avec les minéraux locaux et des couleurs qui sont assez recherchées et elle va compter là-dessus pour pouvoir faire fructifier le business de la famille plutôt que de repartir, déménager dans une ville qui peut-être ne leur offrira pas ce dont ils rêvent. Alors si vous connaissez un petit peu la Mongolie, il faut savoir que malheureusement c'est un pays qui est très grand, qui est très peu peuplé,
près, mais pour lesquels plus d'un tiers de la population, si c'est pas la moitié maintenant, habite dans la capitale à Oulan-Bator. Oulan-Bator où les gens se marchent dessus, il y a beaucoup beaucoup de monde. Malheureusement, ils ont beaucoup de problèmes de société, beaucoup de problèmes de pauvreté, beaucoup d'alcoolisme, justement parce que beaucoup de gens qui, quand ils étaient dans la nature, même si elle était rude, mais ils pouvaient quand même se débrouiller pour trouver à manger, pour avec leurs bêtes, avec même si c'était difficile, mais une fois qu'ils sont dans une ville, bah malheureusement, s'il n'y a pas de travail, bah sans argent, on n'a rien et on est un petit peu à la rue. Et il y a beaucoup de bidonvilles avec des yourtes. Enfin, franchement, c'est une situation un petit peu particulière. Et je vous avais dit aussi, j'avais été en Sibérie, justement, assez près de la frontière mongole. Et c'est un phénomène, en fait, qu'on retrouve dans toute cette zone-là, y compris du côté russe, parce que bah, c'est pareil, c'est des gens qui vivent dans les steppes, qui vivent avec des moutons, avec des animaux, et qui, à cause de la rudesse de la vie, bah, décident, en fait, de tout vendre pour aller en ville. Sauf qu'une fois qu'ils sont en ville, ils se retrouvent coincés aussi parce que, bah, une fois qu'ils ont tout vendu et qu'ils ont dépensé leur argent pour avoir le minimum de choses, bah, après, s'ils veulent faire marche arrière, bah, c'est plus possible. Ils n'ont plus les moyens de s'acheter des bêtes, de repartir, enfin voilà. Voilà, donc je ne sais pas vraiment si ça va aborder ce problème-là, mais c'est effectivement, quand on a conscience du problème, on voit déjà dès le début de l'histoire les challenges en fait que ça présente. Ensuite, nous avons D pour drink, donc boisson, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, vu que je n'ai pas forcément de rituel, mon seul rituel de lecture, c'est avant de dormir. Voilà, et puis quand je suis dans mon lit, bah, je bois pas, normal. Puis alors, surtout quand on est maladroite, si c'est pour en foutre partout, c'est pas la peine. Par contre, à l'occasion, en fait, quand je voyage ou que je fais des trajets, c'est vrai que j'aurais tendance à lire avec un thé ou un café, selon l'heure de la journée à laquelle ça se passe. Et puis sinon, bah, c'est de l'eau. Voilà. Je n'ai pas du tout de boisson prédéterminée. Je n'ai pas de. Des fois, ça m'arrive de me préparer, voilà, un petit thé que je ne ferai pas d'habitude parce que j'ai envie de bouquiner un petit peu. Puis des fois, c'est, voilà, il n'y a pas du tout de régularité. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle. C'est au pif. C'est comme ça vient. Voilà. Ensuite, nous avons E pour e-book. Alors, e-book ou roman papier? Dans l'absolu, je préfère les romans papier, mais je suis e-book parce que bah, c'est ce que j'utilise en priorité depuis déjà bah, plusieurs années, pour pas dire 7-8 ans à peu près. Je n'utilise presque exclusivement que des e-books pour plusieurs raisons, pour des raisons pratiques, pour des raisons de transport et puis pour des raisons financières, d'autant plus que comme j'essaye au maximum, dans la mesure du possible, de lire les livres dans leur version originale, ben, il faut avouer que dans la version originale, souvent, c'est beaucoup moins cher. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Pff, voilà. Alors, je ne sais pas si on a droit à des jokers, mais on va imaginer qu'on y a droit, et là, je vais en mettre un. Parce que c'est tout à fait possible qu'au lycée... Bah, en même temps, je me rappellerai quand même, je pense. Je ne sais pas si j'avais un crush littéraire. En plus, au lycée, c'était ma période où je lisais pratiquement que des livres d'horreur en dehors des livres scolaires imposés. Donc, j'essaie de réfléchir, les livres de Stephen King, tout ça. Est-ce qu'il y a un personnage qui m'a minimum... pas dans mon souvenir, voilà. Donc, on va mettre un joker parce que pour moi, bah, il n'y en a pas. Pour la lettre suivante, il s'agit de G avec GLAD, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Et en fait, pour ça, je pense surtout à deux romans. Le premier, c'est Tofi de Sarah Crossan, dont je vous ai parlé quand j'étais à Hokkaido, donc ça doit peut-être dater d'il y a 2 ans. Alors, je sais pas si vous rappelez de la vidéo, mais c'était un roman que j'avais beaucoup aimé et auquel je n'aurais pas donné de chance parce que c'est un roman contemporain et la couverture, la présentation, etc. Moi, si je vois ça dans une librairie, ça n'est pas du tout le genre de choses vers lesquelles je vais aller naturellement. Mais c'est un livre qui avait été présenté sur la chaîne de Pikiti Bookin et la façon avec laquelle elle l'a présenté, je me suis dit... Ben, je vais peut-être tenter, voilà, c'est pas que c'est pas le genre de littérature que je peux aimer, c'est juste que je ne vais pas naturellement vers ça, donc peut-être que je rate des choses, mais juste j'y pense pas, voilà. Et en fait, je l'ai absolument adoré, ça avait été un gros coup de cœur, la forme littéraire, c'est-à-dire la façon avec laquelle les chapitres sont écrits, était assez particulière, bizarre au premier abord, mais en même temps, ça rendait la lecture presque encore plus facile que s'ils avaient été écrits de façon classique. Et on se retrouvait avec l'histoire d'une jeune fille qui avait beaucoup de problèmes familiaux et des problèmes d'alcool, qui se retrouve à se réfugier chez une vieille dame parce qu'elle a Alzheimer et qu'elle profite un petit peu de sa condition pour passer un petit peu pour l'aide soignante
et en fait pour être logée, nourrie, au profit de cette vieille dame, une vieille dame qui au final, même si elle a une famille, sa famille ben, ne s'en occupe pas trop, comme elle a Alzheimer, ben, c'est un peu lourd pour son entourage, et puis bon, ben, il la zappe un petit peu, faut dire ce qui est, et d'une certaine façon, elles vont toutes les deux se soutenir, se comprendre et s'aider dans des situations complètement différentes, et d'une certaine façon, elles n'ont que l'une et l'autre pour... Eh bien, pour se maintenir un petit peu, pour se donner un petit peu de force. Voilà. C'était un livre vraiment que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et sincèrement, si vous ne connaissez pas cette autrice, j'en ai un autre dans ma liseuse d'elle. Je sais plus ce que c'est. Moon, il y a peut-être un truc. Je crois que c'est Moonshine. Bref. Mais sincèrement, essayez parce que c'est très plaisant, ça se lit très bien, c'est très agréable. Il y a des moments tristes, mais il y a des très, très beaux moments. Alors que le sujet pourrait faire penser que c'est un roman déprimant. Ah oui, hein, c'est pas de la joie tout le temps. Mais il y avait vraiment des moments très très beaux qui m'ont beaucoup plu. Et le deuxième, ça va vachement vous étonner, c'est Les Dents de la Mer. Voilà. D'autant plus que bah, certains d'entre vous savent que c'est une lecture qui m'a saoulée. Mais qui m'a saoulée à un point. Je lui ai donné sa chance, pourquoi? Parce que pour moi, Les Dents de la Mer, c'est le film d'Hollywood. Que quand j'ai vu qu'à la base, c'était un roman... Puis un roman avec des requins qui attaquent, je me suis dit, oh là là, ça va être le truc de série Z, machin. Je me suis dit, allez, c'est quand même un classique de l'horreur, pas chez nous, mais aux États-Unis, je me suis dit, je vais le lire. Alors, comme vous le savez, les personnages, surtout les femmes, oh là là, c'était compliqué. C'était très compliqué d'accepter cette description des femmes des années 70. Qui ne sont là que pour leur physique, qui sont complètement inutiles à l'histoire et qu'en plus on fait passer pour des. Hein, voilà, dès qu'elles font un truc, alors que quand c'est les hommes, on voit pas spécialement de problème. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je vous ai déjà parlé de ce bouquin. Par contre, pourquoi est-ce que je suis heureuse de lui avoir laissé une chance? Parce qu'au début de l'histoire, on décrit beaucoup le comportement du requin, puisque l'auteur apparemment s'est renseigné sur le sujet. Et j'ai trouvé ça franchement fascinant, la façon avec laquelle le requin réagit, avec laquelle il vit. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas sur ces animaux. J'aime beaucoup les animaux. Après, je ne me suis pas forcément intéressée à tous parce que, bah voilà. Hein. Et j'avoue que du coup, j'ai beaucoup découvert. Et en plus, avec ma détestation, non seulement d'un personnage féminin, mais en fait, sincèrement, de à peu près tous les personnages de l'histoire, et je crois qu'il n'y en a pas un pour lequel j'avais de la sympathie, je ne pouvais pas m'essaquer. J'étais tellement pour le requin, pour qu'il les bouffe tous, que j'ai été prise d'affection pour cet animal. Après, bon, j'ai beaucoup de curiosité en règle générale, et puis pour les animaux et la nature aussi. Donc voilà, ça fait une espèce de combinaison qui fait que depuis que j'ai lu ce livre, que j'ai pas trouvé bien du tout, eh ben, je continue d'avoir encore aujourd'hui, plusieurs années après, une fascination pour les requins qui fait que eh ben, j'ai lu plusieurs choses à leur sujet, j'ai commencé à regarder des documentaires et j'avoue que c'est un animal absolument fascinant. Il faut savoir que l'auteur lui-même, à cause de son livre et du film d'Hollywood qui a suivi quelques mois après, ça a été rapide, il y avait déjà une sorte de détestation vis-à-vis des requins de la part de la population et de la société en règle générale. Et alors ça a été la cerise sur le gâteau, ça a été vraiment le truc. Et l'auteur lui-même a été désolé des conséquences de ce qui s'est passé. Et depuis, c'est un fervent défenseur de la cause des requins. Donc c'est aussi très intéressant. Et voilà. Et les requins sont un animal, en fait, que justement à cause de cette peur, à cause de... Ben, on a étudié que très tard, ça ne fait que 20-30 ans à peu près, que les zoologues, biologistes se penchent vraiment sur cet animal. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on est en pleine découverte, on découvre des nouvelles choses tous les jours. Il y a tellement de types, de formes, de couleurs, de... Et puis en plus, c'est un animal qui est fascinant parce que c'est un poisson et en même temps, il a des points communs avec des mammifères. Il y a certains requins qui pondent bah, des œufs, comme les poissons, mais il y a certains requins qui ont des bébés en dehors, enfin sans œufs, comme les mammifères. Enfin bon, bref, je vais pas commencer à vous faire une leçon sur les requins, mais tout ça pour dire que franchement, j'ai été extrêmement heureuse de, en fait, que cet animal, d'une certaine façon, que ça m'ait forcé à découvrir cet animal qui, sincèrement, mérite le détour. Et si n'importe quel d'entre vous s'intéresse un tant soit peu à la nature, aux animaux et aux fonds marins, aux océans en règle générale, franchement, penchez-vous un petit peu sur cet animal. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller le gratouiller ou machin, hein. Même si, avec les centaines de requins différents qui existent, il n'y en a que trois qui sont dangereux pour l'homme, quand même, ça fait pas beaucoup. Et que ben, on se fait plus facilement tuer par des vaches que par des requins ou par des moustiques.
notre premier prédateur. Mais voilà, sincèrement, faites-vous plaisir. Je pense que je vais continuer de lire certains livres dessus que j'ai dans ma liseuse et que je me prévois peut-être pour cet été ou en tout cas pour bientôt parce que j'ai envie de continuer d'approfondir la thématique. Voilà. Alors, on passe à la lettre suivante. On va éviter de passer trop de temps sur chaque parce que vu qu'il y a 26 lettres de l'alphabet, ça fait beaucoup de points. Le suivant, il y a H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyeux, comme un joyau caché. Joyau caché, des livres qui sont des joyaux, il y en a beaucoup qui ont été des coups de cœur, il y en a beaucoup que j'ai adoré. Je pourrais vous reparler de mes préférés, mais la plupart, c'est pas vraiment des joyeux. Qu'est-ce que j'ai avec les joyeux, moi? Des joyaux cachés. Éventuellement, le premier qui me vient en tête qui n'est pas connu, c'est de Walter Tevis, qui est l'auteur du Jeu de la Dame et qui a écrit un livre appelé Mockingbird, donc l'oiseau moqueur, et dont je ne savais rien du tout, et qui est en fait un livre de science-fiction qui touche à tellement de thématiques et à tellement de choses en fait vis-à-vis de l'humanité, de ce qu'est l'humanité et aussi qu'est-ce qui fait que nous sommes humains, parce que c'est un monde dans lequel il y a également des robots humanoïdes qui sont identiques à nous, et quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans certains romans de Philip Dick mais là c'est traité de façon différente, c'est traité avec un personnage en particulier dans une société où quand les robots font tout, les êtres humains sont devenus tellement fainéants, tellement qu'en fait ils laissent tout faire aux robots, et donc forcément les robots ont pris le dessus, c'est eux qui contrôlent tout, mais en suivant des règles des êtres humains, et les humains sont complètement apathiques, et certains vont sortir du lot, et donc notre personnage principal, l'une des choses qu'il va redécouvrir par lui-même, c'est la lecture. Parce que à cette époque-là, eh bien, les humains ne savent plus lire. Ils n'en ont plus besoin. Donc les livres n'existent plus. Et un jour, il va tomber sur des films muets pour lesquels, bah, pour les comprendre, il va être obligé de commencer à apprendre à lire, de commencer à apprendre l'alphabet, qu'est-ce que c'est. Et à partir de là, il va tomber sur des livres abandonnés, dans des maisons abandonnées, des choses comme ça. Et ça va être toute une redécouverte de la connaissance humaine et de ce qui fait, qu'est-ce qui a fait que la situation en est arrivée là. D'autant plus que les robots les plus intelligents, leur intelligence, en fait, ils la doivent au fait que ils ont été clonés. En fait, leur pensée, leur cerveau a été cloné sur des humains en particulier, et que ça leur donne des réactions humaines, et entre autres le fait aussi qu'ils ne vivent pas bien dans ce monde-là, pour de multiples raisons, et qu'ils n'ont pas forcément envie de continuer à vivre, mais en tant que machine, ils n'ont pas le droit de se court-circuiter, de sauter la vie eux-mêmes. Voilà, c'est très très complexe, mais c'est très très intéressant. Et l'histoire en elle-même, malgré tout ce que je viens de vous expliquer, qui sont quand même des notions assez particulières et qui vont être dans tout le livre, ça ne spoile pas, mais ce sont des notions qu'on commence à comprendre dès le début, et l'histoire elle-même va aller dans des directions auxquelles on ne s'attend pas du tout. Plusieurs fois, on est parti dans des directions où moi je m'imaginais d'autres choses à cause des lectures que j'ai déjà eues. Et en fait, ben, on partait vers des choses complètement différentes. Donc ça rend le livre vraiment passionnant de bout en bout. Et j'ai adoré ce côté très profond, très réflexif de toutes ces questions qu'on se pose déjà depuis un moment, hein, à travers les films, à travers les livres, mais qui étaient, je trouvais, traitées de façon déjà connues mais différentes. Voilà. Lettre suivante, I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors, on va éviter de faire une rétrospective de ma vie, puisque moi-même, il me faudrait des heures, je pense, pour réfléchir, pour me dire qu'est-ce qui a été super important dans mes lectures. Alors, des lectures marquantes, j'en ai déjà parlé. Des lectures aussi qui m'ont peut-être changé mentalement, qui m'ont fait beaucoup réfléchir, ben, on a déjà parlé de plusieurs aussi. C'est difficile vraiment de choisir un livre ou un moment précis important dans une vie de lectrice. Je pense que c'est souvent une série de choses, une série de moments. Et ben, vous avez peut-être trouvé ça bête, mais je dirais qu'un moment important dans ma vie de lectrice, c'est quand j'ai acquis ma liseuse. Pourquoi? Alors que j'aime plus les livres papier que les e-books. Mais parce que, en fait, ça m'a aussi permis de découvrir beaucoup, beaucoup de livres que je ne me serais pas forcément permise en papier. D'une, parce que je pense que je vous ai déjà expliqué le problème de volume que j'avais quand j'habitais à Paris, parce que j'arrêtais pas d'acheter des bouquins, surtout des livres d'occasion, etc. J'en avais partout, jusque dans ma baignoire, enfin c'était un truc infernal. Et qu'en déménageant, bah, ça m'a forcé
à les mettre ailleurs, à les donner, à m'en débarrasser, à les mettre chez mes parents, et donc à me retrouver sans rien. Et d'une certaine façon, ça soulage ma conscience de savoir que dans ma liseuse, même si j'en ai 5000, et ben ça prend pas de place. Surtout quand je voyage, je peux me les trimballer. Et puis, alors ça, malheureusement, c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas, mais quand j'allais en chantier de fouille et que bah, ça, une liseuse, si elle est bien chargée, ça vous dure 2-3 semaines facile et vous n'avez pas besoin de la recharger. Alors quand vous dormez dans une tente sans électricité, sans ce genre de choses, ça, c'est royal. Et voilà, et donc je trouve qu'effectivement, ça m'a donné, en fait, certaines choses que je n'avais pas avant, avec les livres papier. Voilà. Donc oui, d'une certaine façon, c'est un changement dans ma vie de lectrice. Et voilà. Sinon, ensuite, nous avons J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Qu'est-ce que je viens de finir? Bonne question. Alors, le livre que je viens de finir, bah, c'était La Vénus d'Il, dont je vous ai parlé il y a une ou deux vidéos. On ne va pas revenir là-dessus. C'est un cours classique d'horreur, épouvante, fantastique, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et que je conseille sans problème à n'importe quel type de lecteur, sincèrement. Ensuite, nous avons K pour Kind. Le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, je suis complètement pour dire qu'il ne faut jamais dire jamais. Moi-même, je dis qu'il y a des choses que je ne ferai pas, etc. Et pourtant, la vie fait que bah, 99% des fois, bah, ça change, hein, ça change. Voilà. On n'est pas en train de parler de crime ou de je ne sais quoi. Hein. Alors, quel genre de roman je ne lirai jamais? Alors, j'aurais pu dire la romance, mais c'est pas vrai, puisque j'ai lu The Ghost Bride il n'y a pas longtemps, qu'en plus j'ai aimé. En général, c'est pas du tout ce que je lis, mais une exception de temps en temps fait que je ne peux pas dire que je ne lirai jamais. Voilà. Que je ne lirai jamais, on va dire, une autre catégorie éventuellement qui ne me tente pas du tout et que j'évite comme la peste, je dirais les livres politiques. Voilà. Les livres sur la politique, centrés sur la politique, qui racontent la vie des politiques, des programmes politiques, j'en ai rien à carrer. Donc je pense que, ouais, il y a des chances que ça, je n'y touche jamais, à moins que... non, parce que même pour des politiques que je pourrais apprécier, ouais, je lire un bouquin, je m'en fous. Je m'en fous, ça m'intéresse absolument pas. J'irai jamais foutre de l'argent là-dessus. Je suis plus à l'école, donc ça ne pourra pas être des lectures obligatoires. Donc voilà, livre politique. Alors, lettre suivante, il s'agit de L pour long. Le roman le plus long que j'ai jamais lu. Alors, j'imagine qu'il faut... ne pas compter les romans en plusieurs tomes et se prendre seulement ceux qui sont en un seul tome. Alors si on part, parce qu'à ce moment-là, sinon on compte les sagas qui font des milliers de pages. Et il me semble qu'en général, ça n'est pas comptabilisé. Donc le plus long, je dirais que peut-être, je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être, alors je ne me rappelle plus de la date, mais le livre de Stephen King qui est une date en 63. Il y a un 11... Il y a 63 et il y a autre chose qui tourne autour de l'assassinat de Kennedy. Voilà, c'est un livre de Stephen King que j'ai lu il y a quelques années qui est assez différent de ce qu'il écrit en général puisque ce n'est pas forcément un livre d'horreur en tant que tel, c'est plus un roman historique qui se passe donc dans les années 60 et que j'ai trouvé très bien écrit, très intéressant. Et voilà, il me semble bien que c'était... parce que dans ma version, il faisait plus de 1000 pages. Et ça, je sais que ça m'a marqué. Donc voilà, je dirais celui-là. Ensuite, nous avons M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque, tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors, est-ce que je ne pouvais plus rien lire parce que j'avais pas envie de lire? Est-ce que j'en avais marre de lire? Parce que j'ai tellement aimé que je sortais pas du monde? Ou que j'ai tellement pas aimé que ça m'a pas motivé pour la suite? Eh ben, je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien. Est-ce que y a... Alors, j'ai des pannes de lecture, hein, vous le savez. J'ai eu des pannes de lecture aussi avant. Mais je crois que ça n'a jamais été provoqué par un livre. En bien ou en mal. Il me semble bien que ça n'a jamais été provoqué par un livre. C'est plus par situation personnelle, état d'esprit, etc. Mais ça n'a jamais été une lecture en soi. D'autant plus que... Alors ça, c'est surtout depuis la tablette, mais... d'autant plus qu'en général, quand je commence beaucoup de livres, et parce que je lis selon mes humeurs. Et c'est vrai que si je ne suis pas d'humeur à lire un type de livre, ben je ne vais pas pouvoir l'avancer. C'est comme ça. Donc, j'en prends un autre, ou j'en continue un autre que j'ai déjà démarré. Ce qui fait que j'en ai plein en cours, mais ça... Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas ça qui provoque mes pannes de lecture. Alors, je cherche, hein, je cherche.
Si je trouve, je vous le dirai. Et donc, je l'insérerai dans la vidéo là maintenant. Si vous me voyez toujours en train de réfléchir, c'est que ça n'a pas marché. Voilà. Alors, lettre suivante, il s'agit de N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. J'en ai une, deux et trois. Voilà, ils font tous à peu près la même taille. Là, c'est ce que vous voyez derrière moi. Et puis voilà, ouais, j'en ai que trois. Ouais, parce que j'ai pas de livre ailleurs. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, je ne suis pas du genre à relire les romans, donc c'est très rare. J'ai relu Harry Potter, parce que c'est facile à lire, l'histoire est bonne, et des fois ça fait du bien de relire des trucs comme ça. Le Petit Prince, parce que je ne me rappelais plus, et je l'ai relu il y a quelques années. On va encore avoir un blanc. Bon, ben là je me rappelle Harry Potter, Le Petit Prince, et si ça se trouve, vous le savez mieux que moi, parce que ça se trouve, j'en ai parlé dans une vidéo, mais juste je ne me rappelle plus du tout. Voilà. Ensuite, P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. J'ai pas vraiment d'endroit préféré pour lire. J'aime bien lire dans mon lit, mais uniquement parce que je lis avant de dormir. Par contre, je déteste m'allonger pour lire pendant la journée, enfin pendant le reste de la journée, c'est-à-dire pas au moment où je dois dormir. Voilà, ça, j'aime pas du tout. Sinon, sur un canapé, c'est sympa. Éventuellement, je dirais dans les moyens de transport. Parce qu'en général, c'est là que j'écoule le plus de lecture. Parce que faut avouer que quand je prends les transports, souvent c'est très long. Quand je voyage, vous savez que bah, quand on n'est pas riche, mais moi personnellement, ça m'empêche pas de voyager, mais ça veut dire qu'il faut passer par des biais détournés, des changements de transport, des machins pour essayer d'avoir les trucs les moins chers. Donc les heures de bus, les heures d'avion, les heures de train. Donc je dirais en transport. En moyen de transport, et s'il fallait vraiment en choisir un, histoire de vraiment réduire, je dirais le train. Voilà, déjà parce que j'adore les trains, j'aime beaucoup, beaucoup les trains. J'aime voyager en train, j'aime l'ambiance des trains, j'aime les bruits des trains. Je sais pas, j'aime bien en bus. C'est un peu plus compliqué parce que, comme j'ai tendance à avoir le mal des transports, beaucoup moins que quand j'étais petite. Par contre, ça, c'est je pense que mon estomac s'est fait une raison. Elle dû se dire, elle nous laisse pas le choix, elle est sans arrêt dans les transports. Bon, bah, va falloir qu'on s'y fasse. Mais c'est vrai qu'en bus, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des moments où ça tangue un petit peu. Donc, je suis obligée d'arrêter et bah, de faire autre chose, bah, de regarder par la fenêtre. Puisque quand on commence à se sentir malade, bah, on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'en fait, tout va nous rendre malade tant qu'on ne regarde pas. En bateau, c'est pas la peine. En bateau, je lis pas du tout. Donc, ouais, j'irai en train. En bateau, je lis pas parce que j'ai mal de mer. C'est une horreur. Je ressemble à une vieille serpillière quand je suis dans un bateau, ça c'est. Et pourtant j'aime bien les bateaux, mais bon. Pour la lettre suivante, on a Q pour quote, c'est-à-dire une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors là, on va faire zéro en originalité, parce que je vais utiliser Le Seigneur des Anneaux, mais je trouve qu'il y a plusieurs citations, plusieurs phrases qui sont belles et d'autres qui font réfléchir. Et il y en a une en particulier de Gandalf d'ailleurs qui a été reprise dans les films. Et qui, je trouve, quand même donne une perspective des choses pour laquelle je pense qu'on devrait tous réfléchir autant que nous sommes. Je vous l'ai retrouvée parce que je vais vous la lire. Nombreux sont ceux qui vivent et méritent la mort, et certains qui meurent méritent la vie. Pouvez-vous la leur donner? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser la mort en jugement. La lettre suivante, c'est R pour regret, un regret de lecteur. On n'aura jamais le temps de lire tous les livres qu'on veut. Voilà, on pourra faire tout ce qu'on veut. Avec les millions de livres qui existent, c'est juste impossible et je pense qu'à un moment donné, il faut se faire une raison. Est-ce que c'est réellement un regret? Non, pas vraiment, parce que je pense que je me suis faite à l'idée. Mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment une obsession, c'était vraiment un problème pour moi. D'où peut-être, je pense, aussi le cumul de livres, de toujours vouloir en avoir plus pour lire plus, pour. Mais c'est vrai que oui, bon, c'est un petit regret, voilà, on va dire. C'est un petit regret parce que malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais. C'est la vie, comme on dit en France. Alors ensuite, nous avons S pour série. Une série que tu as commencée mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Je pense en premier à bon, Le Paris des Merveilles. Mais vous savez que je suis en cours, en train de le lire. J'ai fini les deux premiers tomes, il m'en reste plus qu'un. Disons que pour moi, ça ne veut pas dire que le troisième ne sera pas lu. Au contraire, je veux lire la suite. Et ensuite, il y a Percy Jackson, dont j'ai lu les deux premiers volumes. Mais je prends mon temps pour les lire parce que. J'ai pas envie de me jeter sur la suite et en même temps j'ai envie de continuer l'histoire parce que ça m'intéresse, mais ça ne me passionne pas. Pardon. Ce qui veut dire que en fait je veux connaître la suite de l'histoire, je veux connaître la fin de l'histoire, mais
C'est pas urgent. Il y a d'autres livres que j'ai plus envie de lire avant. Puis un jour, ça va me péter, je prends le troisième tome. Enfin voilà, comme ça m'arrive régulièrement. T'es pour trois. Trois de tes livres préférés de tous les temps. Alors, c'est difficile parce que si vous me posez la question aujourd'hui, ça ne sera pas la même réponse que demain. Et en même temps, parce que j'ai déjà dû le faire un petit peu forcé sur Babelio, je vais rester plus ou moins sur ce que j'ai déjà choisi là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a La Nuit des Temps de Barjavel, parce que il m'avait beaucoup, beaucoup marqué quand j'étais ado. Il y avait tellement de choses dans cette histoire, tout le côté science-fiction, civilisation, enfin moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée, et c'était mon premier Barjavel. Et mon premier livre de ce style-là, en fait, en règle générale, et j'avoue, j'avais beaucoup aimé. Il y a également Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Oui, il y a la poésie. Ce n'est pas du tout quelque chose que je lis, en tout cas plus depuis des années. Ce qui est bizarre parce que quand j'étais à l'école, et que on... enfin à l'école, collège, lycée, hein, et qu'on devait étudier la poésie, etc., ben c'était quelque chose que j'adorais. Je pense juste que souvent quand on pense livre, on pense roman, éventuellement nouvelle, parce que moi j'aime bien, mais poésie, c'est juste que, ben, en tout cas personnellement, j'y pense pas du tout, alors que c'est une forme littéraire que j'aime bien. Falloir que je me note ça pour en relire ou en tout cas en, ne serait-ce qu'en prendre un pour en lire de nouveau. Pourquoi Les Fleurs du Mal? Parce que bah, je l'ai découvert au lycée, je pense, comme beaucoup au collège ou au lycée. Au lycée, je crois. Et que justement, on avait déjà étudié beaucoup de poèmes à l'école, mais que Baudelaire, il y a quand même des choses très macabres, il y a quand même des choses très limites, et que forcément, moi, ça a touché une corde sensible, vu que je lisais des livres d'horreur, des choses comme ça, et de trouver ce genre de choses dans des classiques et des poètes tellement connus, je les avais pas étudiés avant, donc je ne m'y attendais pas, et certains de ces poèmes m'ont beaucoup touché. Voilà, j'en ai plusieurs comme ça en tête, que ce soit celui avec le choix, le chat, le choix, le chat. J'ai du mal à parler, je suis désolée. Et celui avec le cadavre, je crois d'ailleurs qu'il s'appelle juste le cadavre. Enfin, il y en a plusieurs comme ça qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Cette façon de mettre en poésie des choses parfois absolument horribles et de les rendre belles par les mots. Et pourtant, ça n'est pas pour autant que le sentiment d'écœurement n'est pas derrière. Enfin, c'était vraiment des. Je trouvais ça assez exceptionnel de pouvoir ressentir autant de choses tellement différentes et normalement opposées avec un même texte. Voilà. Et puis le troisième. Le troisième, je dirais Souvenir de Philippe Dick. C'est un recueil de nouvelles de Philippe Dick. Et c'est celui qui m'a permis de le découvrir. Alors, je le connaissais déjà par les films, sauf qu'en fait, à l'époque, je ne le savais pas. Il y a beaucoup de films que j'ai vus qui, en fait, étaient soit directement des histoires de Philippe Dick, soit inspirés par Philippe Dick et que j'avais adoré, que ce soit Blade Runner, que ce soit The Truman Show, que ce soit Minority Report, Matrix, qui est très fortement inspiré de ses livres aussi. Il y avait aussi Scanner Darkly, enfin il y en avait plein plein. Et donc là, bah, j'ai découvert ces histoires, et là, ça fait tilt, je me suis dit, mais c'est de là que ça vient. Et même si, comme tout recueil de nouvelles, il y en a des bien meilleurs que d'autres, franchement, ça m'a fait rentrer dans son univers, et franchement, j'ai surkiffé. Voilà, j'ai absolument adoré. Et pour moi, d'une certaine façon, préféré ou pas, je ne sais pas, mais ça a aussi été une petite révolution dans ma tête de découvrir ce type d'histoire. Alors, lettre suivante, on arrive au bout. Nous avons U pour Unapologetic, quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. fangirl, je trouve que c'est un bien grand mot, mais je dirais Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Parce que j'aime beaucoup l'horreur, j'aime beaucoup les classiques, j'aime beaucoup des choses qui font que quand je parle avec les gens et qui découvrent que ben, j'aime beaucoup aussi les livres d'Harry Potter, beaucoup plus que les films, ben, ça leur fait bizarre parce que ben, dans la pensée des gens en général, c'est des trucs de gamins, puis c'est des trucs avec de la magie, et puis c'est des trucs un peu... voilà. Et puis moi, je les ai lus, ben, je les ai lus tard, non, en fait, parce que je les ai lus, ils étaient en train de sortir, mais j'avais déjà 20 et quelques années. C'est pas comme les adultes maintenant, qui sont complètement fans de Potter, mais parce qu'ils ont grandi avec, donc il y a le côté enfance, le côté nostalgie, eux c'était des choses qui les fascinaient quand ils étaient gosses, moi j'étais déjà adulte, mais c'est pas grave, voilà, la preuve d'ailleurs, je vous ai montré il y a pas longtemps le parc Harry Potter à Tokyo, et sincèrement je me suis régalée, voilà, ben, j'étais comme une gamine, je voyais des trucs, même si c'était les trucs du film, dont je suis moins fan que les livres, mais voilà, je trouve que ce sont des livres qui ont beaucoup de détails, le monde qui a été construit est super bien foutu, enfin voilà, et puis ben, voilà, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Lettre suivante, il s'agit de V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est parce que je ne prête pas du tout attention aux nouveautés.
Donc, je ne sais pas ce qui va sortir. Voilà. Alors, donc, je risque pas d'être impatiente. Je pourrais aller chercher maintenant, voir ce qui va sortir éventuellement d'auteurs que je connais. Mais du coup, j'ai pas d'impatience puisque j'en sais rien. Voilà. Donc, ça m'intéresse pas. Il y a un bouquin qui m'intéresse, je le prends. Il y a un bouquin dont j'entends parler qui a l'air sympa, je le prends. Par contre, le fait que ça sorte, que ce soit une nouveauté ou. Non, voilà. Je m'en fous un peu en fait. W pour worst. Ta pire habitude livresque. Il y en a tellement. Mais je vais en choisir une en particulier parce qu'elle me gonfle et je ne peux pas m'empêcher de le faire. Comme je vous ai dit, mes lectures aussi dépendent beaucoup de mes humeurs. J'ai tendance à changer d'humeur facilement et quand je ne suis pas d'humeur pour quelque chose, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme quand j'étais à l'école. Quand il y avait des choses que j'appréciais, aucun souci pour étudier, ça passait comme une lettre à la poste. Puis en plus, limite, j'avais pas besoin d'étudier, j'avais tout qui rentrait en 2 secondes, j'oubliais rien du tout, c'était un truc de fou. Par contre, quand j'aime pas, c'est compliqué. Parce que quand j'aime pas, ou que j'ai pas envie sur le moment, même si je me force, ça va pas marcher parce que ça rentre par là, ça sort par là, et il n'y a rien qui est resté. Donc du coup, si je veux pouvoir apprécier mes lectures sans avoir à relire la même page 50 fois parce que j'ai pas la tête à ce type de lecture, eh bien j'en change. Le problème, c'est que j'en change plusieurs fois, et des fois, j'oublie ce que j'ai déjà commencé. Et donc, je me retrouve avec trop de livres commencés. Là, par exemple, sur ma liseuse, les livres en cours, j'en ai 30. Voilà. Voilà. Je pense que ça parle pour soi. La suivante. Nous avons X pour X. Commencez à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le dixième livre. Ah, c'était X pour 10, pas X pour X. Voilà. Du coup, écoutez, je vais regarder ça et puis je vais vous dire. Alors en fait, là, on te dit de le faire avec l'étagère la plus proche, donc ça serait celle qui est derrière moi. Sauf que celle qui est derrière moi, c'est, il y a une étagère, c'est que pour le japonais et le russe, et l'autre, c'est que pour l'art. Voilà, donc bon, c'est pas intéressant. Donc je suis allée farfouiller là-bas. Le dixième bouquin, c'est Les petites filles et la mort d'Alexandre Papadiamantis. Que je voulais prendre depuis un bon moment et celui-là justement j'ai acheté l'hiver dernier avec avec Nivard de Saint-Pierre sur le vitrail parce que c'est un livre que je ne pouvais pas trouver en e-book et c'est pareil à chaque fois que j'allais en France que j'essayais de le trouver en physique, il n'y avait pas moyen de le trouver non plus donc j'ai eu du pot, j'ai réussi à trouver les deux au même moment, voilà. Pourquoi? Parce que j'essayais de découvrir un petit peu la littérature grecque. J'aime bien aussi essayer de. Je me suis rendu compte que malheureusement, j'avais l'impression d'avoir lu des auteurs de plein de pays, mais qu'en fait, non. Ça reste toujours à peu près sur les mêmes. C'est-à-dire la France, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais on ne sort pas trop de. Peut-être un petit peu l'Italie et l'Allemagne, mais voilà, on ne sort pas vraiment de ça. Et du coup, je voulais élargir un petit peu. Ça, justement, c'est quand j'ai découvert la science-fiction chinoise que je me suis rendu compte que j'avais jamais lu de romans chinois. Et je me suis dit, on va remédier à tout ça. Il y a combien de livres pour lesquels. De livres. De pays pour lesquels j'ai pas découvert la littérature. Je me suis rendu compte 99% de la planète. Voilà. Et donc, celui-là, je me rappelle que j'avais lu le résumé qui avait l'air assez intéressant. Et apparemment, je crois que c'est quelque chose de fantastique, mais je ne suis pas sûre à 100%. En tout cas, apparemment, c'est assez inspiré des tragédies. Ouais, j'avais pris celui-là et puis Zorba le grec que j'ai en e-book dans ma liseuse. Voilà. Ensuite, nous allons attaquer la dernière lettre. Ah non, je connais même plus mon alphabet. La honte. Bref, Y pour your, ton dernier livre acheté. Alors, mon dernier livre acheté, c'est quoi mon dernier livre acheté? Alors, mon dernier livre acheté, assez étonnant, c'est un livre de. Développement personnel, j'aime pas appeler ça comme ça parce que pour moi le développement personnel c'est toujours un peu des comment dire une exploiter un petit peu les besoins des gens avec des idées simples et basiques. Je suis désolée, il y a des mobylettes qui passent souvent tard le soir par ici. Ça va, ils sont barrés parce qu'ils aiment bien rester en bas et puis voilà, j'ai droit au kéké japonais dans le quartier là, hein. Bref. Mais en général, le gros des troupes passe vers minuit, 1 h du mat. Super. Bref, revenons-en à nos livres. Et donc, j'ai acheté Atomic Habits, qui est un livre pour vous apprendre à prendre de bonnes habitudes dans la vie, des habitudes qui peuvent changer votre vie et à vous forcer à arrêter de procrastiner. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que sur Skillshare, j'ai suivi un cours de Ali Abdal sur la productivité parce que j'ai aussi des problèmes pour m'organiser, pour tout ça. Je me suis dit, bon,
puisque j'ai le truc de ce qu'il cherche, je vais en profiter. Et d'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne, parce qu'Ali Abdal a aussi une chaîne YouTube où vous pouvez voir des centaines de vidéos gratuites où il donne des conseils franchement super bons, super faciles à appliquer et très très adaptables à tout le monde. Et en fait, sans même y réfléchir, j'ai déjà commencé à en appliquer certains. Et il parle aussi de certains livres qu'il lit justement, qui lui donnent des idées pour ce genre de choses. Et j'ai vu que ce livre-là, il a été conseillé de partout, par lui, par d'autres personnes. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens vraiment qui ont été capables d'appliquer très, très facilement ce qui était dans le livre. C'est des choses faciles et en même temps des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui mettent en place une sorte de logique qui fait que tu ne peux que mieux profiter de ta journée et enfin faire les choses sans non plus te prendre la tête si tu n'y arrives pas. Voilà, dit comme ça, j'ai l'impression de donner un cours de... cours de développement personnel niveau maternel, mais bon voilà, de toute façon je vous mettrai le nom et tout ça comme ça si vous voulez aller jeter un oeil. Et sincèrement, il est super intéressant. Alors je l'ai à peine commencé hein, mais franchement il est très très bien fait et du coup je vais lire ça tranquillement. C'est pas le genre de livre que j'ai envie de lire en une fois, mais voilà. Et enfin on arrive à la dernière lettre. Il s'agit de Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, c'est-à-dire ton livre, le livre qui t'a volé ton sommeil ou qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Alors, j'aimerais pouvoir me coucher plus tôt, mais en fait, c'est pas la faute des livres, voilà. L'insomnie fait que, j'arrive pas à dormir quand je voudrais, mais c'est pas les livres qui m'en empêchent, donc j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'il y a un livre ces dernières années? Ouais, peut-être. J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Parce que je l'avais lu, j'étais dans une auberge de jeunesse. J'arrivais pas à dormir, mais c'est vrai que, ouais, il me semble aussi que je me suis forcée quand le sommeil venait à ne pas m'endormir parce que ce livre, je l'ai lu d'une traite. Si je l'ai commencé, j'ai fini. Voilà. Un livre pour lequel je peux même pas vous dire si je l'ai aimé ou pas. Parce que c'est un livre qui est très dur, qui est très violent. Et en même temps qu'on peut pas lâcher. Voilà, c'est très très particulier. J'avais lu L'écume des jours de Boris Vian que j'avais adoré quand j'étais ado. Et en fait, quand j'ai pris J'irai cracher sur vos tombes, je m'attendais pas du tout à ce type d'histoire, à ce style-là. Et en même temps, alors en fait, le truc c'est que c'est... On a l'impression de se prendre un coup de poing dans la tronche quand on le lit. C'est vraiment ça. Mais vraiment, on a l'impression de le prendre physiquement, quoi. Et en même temps, comme je dis, je peux pas dire si je l'aimais ou pas parce que la sensation quand on termine, on n'est pas bien. Et en même temps, c'est une prouesse quand même de faire ça, voilà. Donc, et le fait, simple fait de ne pas lâcher. Enfin, je pense que si on n'aime pas un livre, on le lâche ou on va attendre. Mais de rester comme ça et de dire « Oh là là, j'aime pas ce bouquin », ça me semble un peu bizarre. Donc, je pense que je l'ai aimé, voilà. C'est celui auquel je pense dans ces récentes années. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai suffisamment parlé. Puis de toute façon, ma gorge est fatiguée. Je vais aller prendre un petit truc pour adoucir un petit peu de tout ça. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà fait ce tag. Si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez le faire en commentaire, vous n'hésitez pas. Vous savez très bien que j'adore lire vos petites réponses et regarder. Et ça m'inspire aussi beaucoup. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!